lorsqu'on est malade et qu'on n'a plus de la force de prier, euh, qu'est-ce qu'on fait? comment est-ce qu'on peut continuer à prier? when you are sick and you don't have the strength to pray anymore, what do you do? how can you keep on praying? somehow the, let's say, the general, uh, To, to uh, your, your <coughs> Peut-être la chose la plus profonde à dire, c'est que lorsqu'on offre sa maladie à Dieu, lorsqu'on offre sa faiblesse à Dieu, c'est déjà une prière. Lorsqu'on est malade quelque part, ça nous renvoie aussi, étonnant que ça puisse paraître, ça nous renvoie à notre baptême. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et au moment du baptême, du baptême, quel que soit l'âge où on reçoit notre baptême, quand c'est possible, dans la foulée de la naissance. C'est comme une semence qui nous est donnée et qui est appelée à grandir toute notre vie. Et ce qui est appelé à grandir toute notre vie, c'est notre vie d'enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Ce qui est appelé à grandir toute notre vie, c'est notre participation à la croix du Christ et à sa résurrection. Notre participation au mystère pascal. Et la maladie, c'est un temps... Euh, que l'on peut offrir à Jésus crucifié. Quand on offre sa maladie ou sa peine ou sa faiblesse à Jésus crucifié, il nous fait participer à sa croix, mais toujours aussi à sa résurrection. Il y a cette, cette fameuse phrase de l'Évangile qui est aussi le thème de la journée, qui est écrit sur la page de front de, de votre livret. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Et, et on fait ça comment? Aller à Jésus quand on est dans la faiblesse? C'est en se tournant vers la croix puis en offrant notre faiblesse à Jésus-Christ crucifié. Et je vous soulagerai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais vous faire participer à la puissance de ma résurrection. Et je vais vous réconforter. Je vais vous rendre fort. Je vais fortifier votre âme. Je vais pacifier votre âme. Je vais fortifier votre âme. Par le baptême, être plongé dans la mort avec le Christ et pour ressusciter avec lui, c'est recevoir une semence de vie éternelle en nous. Uh, par laquelle on est appelé à, à un amour toujours grandissant, quelles que soient les étapes de notre vie, quelles que soient les passages de notre vie. le baptême est comme un appel à croître, à grandir, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, pour que plus et plus, nous soyons enfants de dieu, plus et plus, à jésus-christ, nous grow dans notre amour. Through the, the death and resurrection of Jesus Christ. So it's, it's about growing. And somehow we, uh, sickness might, might seem like, oh, I cannot do anything today because I am sick, or I cannot do anything with my life anymore because I am sick all the time. So, no. You can offer your, uh, your sickness to, to Christ and uh, participate in the resurrection. And Jesus Christ has the power to give meaning to not only to your life when you're healthy, but also to your life where you're in sickness. Because uh, you, cannot, uh, uh, you cannot limit yourself as, uh, to a sickness. When we're sick, we, we are a human person who is sick. We are not a sickness. We still are a human person created in the image of God who is sick. Et qui offre Christ and to the power of his resurrection. Alors, quand je, quand je suis invité, à, ça m'arrivait plus quand j'étais curé, euh, mais quand je suis allé invité, invité à aller auprès des malades, euh, j'ai toujours avec moi dans ma poche de veston, j'ai toujours trois choses. Ça ne veut pas dire que je vais me servir des trois parce que je ne sais pas toujours qui je vais rencontrer, dans quelles circonstances, dans quel contexte. Mais certainement que ce que j'envisage, c'est certainement de prier pour la personne et, si c'est possible, euh, d'inviter la personne à prier, même lorsqu'elle est trop faible pour prier. Alors, je vous donne mes trucs dont je me sers, mais pas toujours. Ça dépend toujours de, du contact. Il y a parmi vous plusieurs qui accompagnaient les malades, des membres de, des bénévoles, des membres de Sasmad. Mais il y a Mangiwa accompagné sick. So I'm I'm, go I'm going to give you a few tricks, and uh, you have your own. Uh, when we'll have uh, lunch after mass, maybe we can talk to each other. What are what are your tricks? What are my tricks to get in touch with the sick person? On, a, on développe avec l'expérience, toutes les personnes qui accompagnent les malades, on, on développe des approches parce que ce n'est pas évident, ça prend des, certaines idées, mais aussi ça prend une expérience pour pouvoir avoir ce sens de, de la mesure, de s'adresser à la liberté de la personne. Alors, une des choses que j'ai avec moi, une des trois choses que j'ai toujours avec moi, c'est un crucifix sur un piédestal. Pas un crucifix pour mettre sur le mur. Et sur un piédestal. Alors, donc, euh, quand je rentre dans une pièce, euh, si je suis à la maison, je regarde s'il y a un crucifix. Alors, s'il y a déjà un crucifix, je garde celui que j'apporte dans ma poche. <laughs> et je regarde s'il y a un crucifix. S'il n'y en a pas, à un moment donné dans la conversation, je vais dire à la personne, euh, « Jésus, euh, nous ouvre la voie de la vie éternelle. » Euh, il a été, par sa mort sur la croix, il s'est fait proche de, ch de chacun et chacune d'entre nous. Si tu veux, j'ai avec moi un crucifix. Aimerais-tu en avoir un sur ta table ou sur ton chevet? Les gens disent oui. Alors, les gens disent oui. Alors, je, je mets le crucifix. Et ce qui est pratique avec ce crucifix-là sur un piédestal, c'est qu'on peut vraiment le mettre partout. Si on est dans un hôpital, on peut, le, on peut le mettre sur la table, parce qu'il n'y a pas de crucifix souvent dans les hôpitaux, dans l'époque que nous vivons, mais euh, même, quand, même dans une société dite séculière, l'être humain est toujours fait pour Dieu. Euh, Ce n'est pas l'État qui donne la vie éternelle, c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Ce n'est euh, pas l'État qui est crucifié, c'est Jésus-Christ qui est crucifié pour vous. Alors, euh, et je mets le, le crucifix sur la, la table de chevet. Et je dis à la personne, écoute, quand, quand tu pries, continue de prier. Puis quand tu es plus capable de prier, regarde le crucifix. Quand tu es plus capable de, de tenir les yeux ouverts, tourne-toi vers le, vers le crucifix. Et, et j'ai vu des, des malades euh, se tourner vers le crucifix. C'est très fort. Jésus-Christ crucifié, c'est très fort. C'est très fort. Ça touche le cœur. Alors, c'est un de mon premier truc. Alors, j'en ai un autre. Oh, il est ici. Que vous connaissez. C'est des trucs que vous connaissez. Euh, mais l'idée, c'est qu'on ne sait pas toujours à quel moment s'en servir. On ne sait pas toujours comment l'utiliser. Ça. It's about timing because you need a sense of the person, whether the person, and you talk with the person, you have some dialogue with the person. And the person, the man or the woman, they will themselves they give you a sign. They will ask a question about life. They will ask a question maybe about Jesus Christ. They somehow by their questions, they open the door. and then you go slowly, and it happens sometimes that uh, I keep the crucifix in my pocket because it's not the time. It's, not, it's, it's about the timing. Another time, but not today. The rosary, often I will ask, uh, Do you have, I uh, will talk about the rosary somehow. And I will ask uh, the person, Do you have a rosary? Uh, depending on the generations, very often they say yes, but it's not with me. So then they will ask uh, uh, if if, in, if it's at home they will ask someone to fetch to get the crucifix uh, the, the rosary and uh, if it's uh, or if it's in the hospital they will ask a member of the family to get the rosary they know where it is but they don't have it with them ça m'est arrivé assez souvent d'ailleurs que et c'est un message pour les grands-mères c'est uh, quelqu'un qui me dit uh, oui j'en ai un c'est ma grand-mère qui me l'a donné alors, puis, euh, il, est, il, est à, il est à tel endroit, et qu'on va le chercher, on l'amène sur la table de chevet, le, le rosaire, quelque chose que les gens peuvent tenir avec, dans les mains. Alors, euh, donc, ce sont, ce sont des gestes qui, euh, l'être humain il, il est fait corps et âme, donc il est aussi fait pour voir, pour toucher. Euh, et quand on a des symboles, si euh, c'est si lié à l'expérience de la foi, comme Jésus-Christ crucifié, euh, le rosaire, quand on dit le Je vous salue Marie, hein, euh, on prie Marie, maintenant il y a l'heure de notre mort. Alors donc c'est un moment, ça vient comme, ça, ça, c'est un petit geste, ça m'est arrivé, de, ça arrive des fois que les gens disent non, je n'ai pas de chapelet, alors euh, fait que je donne le mien. J'ai plein de chapelets dans, chez moi. Ils sont là pour ça. J'ai ma réserve de chapelet. Elle, elle, est, là, elle est là pour être, pour être donnée. Et euh, puis, c'est n'est pas rare que ça m'arrive de voir les gens là, devenir euh, tout ému. C'est très beau. C'est évident que ce n'est pas moi qui fais ça. C'est évident que c'est. À la limite, on pourrait dire que ce n'est pas l'objet qui fait ça. C'est Dieu qui agit, mais Dieu qui agit par. Notre présence, Dieu qui agit par notre parole, Dieu qui agit par ne, nos gestes, Dieu qui agit à travers un simple crucifix en bois ou un simple chapelet en plastique. C est, c est, Dieu agit. La grâce de Dieu est toujours là, est toujours à l'œuvre. Mais Dieu pourrait tousser. Un des mystères de la vie, c'est que Dieu pourrait tout faire sans nous, mais il veut le faire à, à travers nous. Et il attend qu'on le fasse pour toucher le cœur de l'autre de façon plus, euh, plus soutenue. Il est toujours là, mais il attend qu'on soit là. Alors, ce sont des petits trucs. Je rajoute pour les prêtres l'onction des malades. Je suis de l'avoir pas loin, là. J'ai aussi dans, avec moi l'onction, l'onction des malades. Des fois, les gens le demandent d'avance, alors c'est. Euh, des fois, ils ne le demandent pas. On, des fois, c'est des ce n'est pas la, la personne malade qui demande. Ça m'est arrivé, c'est euh, quelqu'un dans la famille qui me dit euh, ma tante est malade, pourriez-vous aller la visiter Il prépare le terrain, on va visiter, fait qu'on n'a aucune idée dans quel contexte on arrive. Fait qu'il faut, faut commencer sur une base très humaine, c'est hein, un accompagnement humain. On voit comment évolue le, le cheminement spi spirituel. Mais c'est très rare qu'il n'y ait pas une ouverture qui se fait. C'est très rare. Le, la maladie, c'est un moment où, euh, je dirais, on est comme à la frontière de notre existence. Il y a des maladies où c'est l'inconnu, peut-être qu'on va guérir, mais peut-être qu'on ne on sait pas. Hein, si on, il y a certains cancers, en tout cas, j'ai un ami qui a le cancer. Le médecin lui a dit « c'est un cancer guérissable ». Alors, madre, il dit ben, c'est le cancer, puis on va tout faire, mais on ne sait pas où ça s'en va. Alors, il, y a comme un, il y a comme un inconnu, puis. Et ça devient comme un moment important de la vie. On voudrait que le moment de la maladie et de la mort soit des, des moments un peu comme un mauvais quart d'heure à passer. Mais c'est souvent plus qu'un mauvais quart d'heure à, à passer. C est, c est, ça, vient, ça vient dans notre vie. Et, euh, et, et le Seigneur Jésus nous dit Bien, je suis avec toi. Il ne faut pas penser qu'on est seul. Et il touche le cœur de la personne, mais il veut aussi passer par les membres de la famille il veut passer par les bénévoles qui vont visiter les, les malades. Et, euh, et Dieu vraiment fait son œuvre. So uh, at the human level, sickness seems always to be the, the, the less fruitful moment of our life, the, the less important moment of our life, because uh, we're, not, we're not functioning fully, we as a, as a producer of goods or as a, I don't know, a consumer of goods. So we are we seems uh, sickness or seems always uh, okay now. Uh, now I'm not well. So. I'm not doing anything uh, special. I'm just resting or trying to get healed. But uh, sickness might become the moment where you do the most. Uh, I say it often, uh, and it's always a mystery. Jesus Christ did more on the cross for the whole of humanity and each one of us than he did when he was healthy walking around. Uh, Alors nos moments de fragilité, nos moments de, de maladie, nos moments où on est euh, peut-être même à la, à la veille de la mort, sont, sont des moments, euh, j'ose le dire ainsi, sont des moments précieux de la vie. Ce sont des moments précieux de la vie parce que lorsqu'ils sont offerts à Jésus-Christ, ils deviennent les moments les plus puissants de notre vie parce qu'ils deviennent les moments du plus grand abandon entre les mains de Dieu. Ils deviennent, les moments, ils deviennent les moments du plus grand amour parce que quand on se remet entre les mains de Dieu, lorsqu'on offre sa souffrance, sa maladie, sa faiblesse ou la mort qui se profile à l'horizon, Jésus-Christ crucifié, euh, on ouvre notre cœur à la puissance de Jésus-Christ qui se sert de l'offrande que l'on fait de notre vie comme d'un matériau pour les autres. Donc ça devient, même quand on ne peut plus prier, ça devient euh, une, une prière très puissante. Dans la maladie, on sait, on, quand on, on, on est dans un premier temps, on peut être porté à prier pour soi parce qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas oublier que quand on est dans la maladie, quand on offre notre maladie au Saint, à Jésus-Christ crucifié, euh, c'est aussi le temps de prier pour les autres. Parce que c'est un moment d'intercession très puissant. C'est peut-être le moment de notre vie où la puissance de notre prière va être la plus grande. Quand on va prier pour les autres, parce que quand on va offrir notre souffrance pour les autres, ça devient un moment très puissant de la vie. Et donc, dans ce sens-là, les, 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 quelque part, les malades ont, ont une mission. Ils ont la mission d'offrir leur vie en union à Jésus-Christ crucifié euh, pour l'humanité, pour l'Église, pour les membres de leur famille. Le moment de la maladie ou le moment de l'impuissance où on est cloué dans un lit, c'est pas, le, peut devenir le moment le plus puissant de notre vie. as you lay in bed uh, without any strength, it might be the most powerful moment of your life when you offer this moment to Jesus Christ and you can have in, uh, pray for certain person uh, in your family, pray for the, the whole of society, pray for the church, pray for your parish it's a very the, there's no more powerful prayer than uh, Uh, suffering uh, offered to Jesus Christ, uh, because he, he receives on the cross all the, this, stuff, this suffering, and he presents it to the Father and to the power of his resurrection. Alors quand on est, quand on est malade, quand on, est, on a dans notre famille des gens qui sont malades, quand on est dans, on est dans une communauté où il y a des gens malades, la, la maladie fait vraiment partie euh, de l'horizon de, de la vie et vraiment partie de l'horizon de la mission, de notre mission de baptiser, de notre mission de famille, de notre mission de paroisse, de notre mission d'église, être là pour les malades et comme malade, offrir sa vie au Seigneur. C'est un appel du Seigneur, c'est un appel profond, c'est un appel grand. When we answer the call of Jesus Christ to, to pray ourselves when we're sick and also to pray for others when we're sick, when He offered, when we, in front of sickness, we pray for people who are sick, we are really at uh, one of the most important friend, uh, frontiers, in uh, humanly speaking and spiritually speaking. Because it's part of our lives and, uh, and God wants to lead us to eternal life. To our life as it is, wounded by sin, wounded by, by suffering, wounded, wounded by death, but the power of life uh, that is Jesus Christ he is stronger than anything and everything because He resurrected. Because the uh, cross, His cross, couldn't stop Him from loving His Father and loving us, and because uh, through His resurrection, it's uh, He, he manifested. Uh, that he really is eternal life. Venez à moi, vous tous qui êtes peines et sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest.